Guess I'll find out. On se retrouve aujourd'hui sur l'épisode 6 du Let's Play de The Last of Us. Alors on s'avait quitté la dernière fois où plein de choses s'avaient passé, jusqu'à même un char qui voulait essayer de nous buter. C'était vraiment pas la, c'était pas la folie. Et là justement, on a pu, on peut dire, trouver un endroit tout simplement pour venir. Enfin là, voilà, pour faire simple, on est venu dans le bâtiment et des très chères personnes nous a accueillis très gentiment en nous posant un flingue sur la tempe et l'autre qui est en train de me battre à mort que au final Joël s'est bien défendu. Alors je vais me déconnecter, que j'oublie toujours de le faire avant de commencer mes épisodes, c'est toujours la même histoire. Voilà, au moins c'est fait et c'est parti. Alors dans cet épisode, voilà, maintenant on a des nouveaux survivants. En réalité on a un jeune et un grand, que je me rappelle plus le nom d'ailleurs, qui vont nous accompagner pendant notre petite aventure avec eux. Et on verra comment ça va être. Alors on va fouiller. Toujours. Hein. Ah, c'est quoi? Du sucre encore. Voilà. Du sucre, ouais, je suis à fond. Cocktail. Voilà, attendez, 2 minutes. Santé maximum, ok. Alors, ok, j'ai ça comme arme. Ouais, je regarde un peu mes armes encore parce que moi j'ai une autre histoire, alors je me rappelle plus vraiment l'arme que j'avais. Allez, c'est parti. On est près d'un des postes de surveillance. Ah, on casse la porte. Et voilà. Cool. Alors. Des points, munitions. Ah, c'est quoi? Munitions de carabine. Je suis plein en carabine? Sérieux là? Merde, dommage. Ok, ciseaux. Ouais, les portes où ce qu'il faut un surin pour le détruire, je vous conseille de toujours les ouvrir, même si vous savez que vous allez perdre un surin. Parce que regardez ce qu'on trouve à la place, c'est quand même pas mal. Hein. On trouve des trucs partout. Allez, j'ai trouvé une autre de ces BD que tu aimes lire. Voilà, des points, des ciseaux, de la vie, mais j'en ai. Voilà, ouais, c'est vrai, les balles. C'est parti. T'es seul avec ta fille? C'est pas mon père, c'est juste... J'ai promis à quelqu'un de veiller sur elle. Je peux comprendre ça. Voilà, on peut comprendre ça. Attendez. Taisez-vous. Écartez-vous des fenêtres. Ils sont partis. Merde, ce foutu camion. Chasse depuis qu'on est arrivé dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend? Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi? On prend le minimum. C'est ça. Allez, on y va. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est triste parce que malheureusement, comme ils sont dans un pays infecté, ils n'ont pas vraiment une enfance géniale, mais bon... C'est vrai qu'après être bombé dans son sac et au final avoir du mal de courir, ça sert pas non plus à grand chose quoi. Faut savoir choisir. Ils ont une enfance malheureuse. T'as trouvé quoi, Ellie? Que me couvre. On dirait qu'il y avait quelqu'un là-haut, mais ils sont partis. Sam. Et où sont les autres? Ils voulaient refaire un dernier tour pour s'assurer qu'on n'ait rien loupé. Ok. Bah, jeter un œil par là. J'ai fouillé cette zone. C'est chaud, hein, ils sont tous face à moi à chaque fois.
Cette affaire-là, discret, ça risque d'être difficile, hein, mais bon, on peut toujours essayer. Seul. Allez, crève, crève. Je prendrai ton bâton plus tard, on sait jamais. Si tu dois m'en servir maintenant. Mais je crois que oui. C'est chaud. Allez, crève! Putain, crève! Je tiens à remercier en même temps, en profitant, enfin, profiter un peu du calme, qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. Tiens! Quoi? Voilà. Moi, je laisse aucun survivant. Tout va bien. Oui, je disais, je profitais un peu du calme pour remercier tous mes abonnés. Ça monte vraiment pas mal au niveau des abonnés. J'ai vraiment à remercier tout le monde. Dans mon dernier épisode, ou un de mes épisodes m'avait trompé, j'avais dit 2800. Je m'en suis rendu compte que plus tard. À force, hein, j'ai oublié le nombre. Je suis à 3858 abonnés. 3858 abonnés. Je tiens vraiment à remercier tout le monde parce que ça me fait vraiment plaisir de voir à quel point ça monte. C'est énorme. Oh, ils m'ont même pas vu. L'arnaque. C'est quoi l'arnaque? Oh l'arnaque. On se calme. On se calme, vieux. Tout va bien. Voilà, moi, voilà ce que je fais aux gens qui sont même pas capables de voir les gens. Alors. Il a l'air d'avoir plus personne. On fouille. Toi qui les connais bien, tu es certain que c'est sûr? Et d'où tu la tiens? Il y a rien à fouiller ici. Alors, t'as quel âge? Moi? 14 ans. Et toi alors? Pareil. Ah, t'as 14 ans. Presque. C'est vrai. Ah, je parie que le mec il a 12 ans. Dégage, je suis en train de fouiller. Tu me déranges. Bon, y a rien. C'est parti. Bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici? Ouais, quelques jours. Mais on a trouvé à manger. Viens. Des myrtilles? On en a toute une réserve. T'en veux? Non. Eh, hey, détends-toi. On craint rien. Alors pourquoi vous êtes pas parti? On attendait juste le bon moment. Et? Viens, je vais te montrer un truc. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Wow. Ok, prête? Aïe. Attaqué par une myrtille. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire comme ça. Elle a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où est-ce que vous alliez? Il paraît que les lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais.
Ça te fait marrer. Ben, j'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les Lucioles ces jours-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les Lucioles. On est là. Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là, demain. Si toi et ta fille voulaient venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu alors. Il dit qu'il faut qu'on y aille. On va devoir être rapide, d'accord? Alors peu importe ce qui se passe, tu me colles. Je te colle. Compris. Bien, bien. Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Ok. Vous éloignez pas, c'est okay. Parti, ça va être la merde, mais comme toujours. Notre but va essayer de buter tout le monde. Ouais. C'est rassurant. Relax, grand-père. J'espère que tu connais le chemin. Par ici. Attends, par ici, mais on peut monter. Ah. Je préfère toujours aller à l'opposé de ce qu'on me demande. On sait jamais s'il y a des objets. Un peu comme BioShock Infinite. À chaque fois, j'allais à l'opposé des choses. Ok. On s'en débarrasse discrètement. Bon, à toi de jouer. Hey, ça marche. Comment ça va? J'essaie de me réchauffer. Qu'est-ce que ça donne là-bas? On a abattu. Ok, le mec là-bas compte pas venir. On fonce. Par contre, il va falloir éviter la lampe. Hé, hey, t'entends ça? Un claqueur! Ouais, je l'entends, mais je vois que dalle! Hé, hey, t'as vu ça un peu? Pas mal! Putain. Merde. Un truc dommage quand même dans The Last of Us et qui se... que j'ai l'impression même que ça se montre de plus en plus, c'est que nos alliés, que ce soit même Ellie et tout, va tout le temps, enfin se montre souvent devant les ennemis et les ennemis ne les voient jamais. C'est un je trouve des défauts les plus importants dans le jeu, c'est que nos alliés se mettent d'une position que tout le monde peut les voir, mais les méchants ne les voient jamais. Bon, dans un côté encore haut, sinon on perdrait tout le temps à cause d'eux, mais quand même. C'est un peu abusé, quoi. Fils de pute. Tiens. Tiens. Non. Tiens. Putain, il faut qu'on se replie, on se replie. Oh. Ah ouais. Ah ouais, ils sont pas mal. Ah merde, il faut tout refaire. Pas mal, là ils étaient pas gentils, hein, putain.
Hey, comment ça va? Crève! Ouais, je l'entends, mais je vois que dalle! La prochaine fois, tu la fermeras! Il est passé devant. Oh non. Oh merde, on est repéré. Essayez de vous planquer. Putain, mais c'est toujours à 40. Quoi? Ah, il me semblait bien. Il me semblait qu'il n'y avait pas assez de mecs. C'est normal. Allez, ordure. Merde. Tiens, tu m'as gavé. C'est bon, tout va bien. Alors, Henri, file-moi un coup de main. Ok, t'es prêt? Oh putain, merde! Oh putain. Arrêtez-vous. Hey, ils sont là-bas. Oh non. Putain, pas mal. Il est mort? Pas mal. Allez, venez. J'ai même pas dû tirer. Allez, va jeter un œil. C'est bon. Sam, amène-toi. Allez, petit, on y va. Allez, merde. Allez, vite. Allez. Vas-y. Faut le faire monter. Désolé. On s'en va. Quoi? Non. Quoi, tu déconnes? Allez, viens. Qu'est-ce que tu fous, Henri? Putain, l'enfoiré, il nous a laissé comme une merde. Oh, cet enfoiré d'Henri. Il me le payera, ça. On se déploie, il pourrait venir ici. Oh, oh merde! Charles! Putain, merde. Ah, c'est chaud là où on est. Si t'as le courage.
Désolé mon pote. Joël. Voilà, je suis un connard. Moi, y a pas de pitié, moi. Aucune pitié ici. Vous m'entendez? Alors. Rien à récupérer? Non, ok. Allez, on passe en dessous. Ah merde! Cours! Oh putain! Cours! Putain! Cours! Oh! Cours, bordel! On va s'en sortir! Oh non! Combien de balles il te reste? Ils vont nous tuer! Tu vois une autre solution? On saute! Non, c'est trop haut et tu sais pas nager. Je vais t'aider et tu vas t'enfuir en courant. Oh merde! Tu m'aideras à nager! Ellie! Pas le temps de discuter! Ellie! Fais chier! Non! Ça doit faire mal à la colonne. Henri, il est réveillé. Joël, on est vivant. Okay. Tu vois, je te l'avais dit, pas vrai? Il est vivant, tout va bien. Tu sais, c'est Sam qui vous a vu. Vous étiez sur le point de... Hé, hey, ça va? Qu'est-ce qui te prend? Henri, recule, petit. Hey, hey, hey. Il est énervé, mais il va rien faire. T'es sûr de ça? Arrête! Joël! Il nous a abandonnés là-bas. Non. Vous pouviez vous en sortir, et vous avez réussi. Mais revenir vous chercher, c'était le mettre lui en danger. Recule. Si ça avait été toi, tu serais revenu pour nous? Je t'ai sauvé. Il m'a sauvé aussi. On se serait noyés. T'inquiète pas, je vais bien. Pense ce que tu veux, mais je suis content qu'on vous ait vus. Bon, la tour radio est derrière cette falaise. Ok, il y aura plein de vivres là-bas. Tu vas être heureux de pas m'avoir tué. Ok, allez, on y va. On va fouiller cette zone. Pour voir ce qu'on trouve. J'espère pour lui que ça va servir à grand chose de le laisser en vie. Ouais. Allons chercher cette tour radio. Alors, une bouteille. Putain, j'ai plus de bouteille. On trouvera peut-être quelque chose dans le bateau là-bas. Un sur un. Ok. Bon, y a rien du tout. Pas attendu, petit. On va regarder sous le bateau. Voir ce qu'il y a sous le bateau. Que dalle, comme d'hab. Jamais rien sur les bateaux. Là-bas non plus, on dirait. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. On a trouvé un passage. On est sauvé.
paris que ça donne sur l'extérieur. J'ai besoin d'un coup de ensemble. Allez. Oh, le supporter. Oh. Ok, les gars, go. Ça, c'est un bon passage, ça. La porte, elle est pas mal, je trouve, pour les zombies. Là, on est sûr qu'il y en a aucun qui vont nous suivre derrière, hein. Putain. Joël, on devrait aller voir par là. Ok, on va aller de ce côté. Ok, on doit passer par là. Ah non. Ouais, en réalité, c'est par là. Si tu l'ouvres, je peux me faufiler et dégager la porte. Oh, merde. Allez, ouvre-moi la porte. Tu serais gentil. Merci. Alors, ça. Des bombes, toujours des bombes qui servent à rien. Surtout que j'en ai trop. Tu crois qu'ils vont venir avec nous, jusque chez Tony? Ça, je sais pas. Va falloir attendre de voir comment les choses évoluent. On arrive, les gars. Eh, hey, par ici. On dirait qu'il y a un plan devant. Attends, on peut descendre. On sait jamais ce qu'il y a. Hein. Non, il y a rien. Toujours regarder, toujours, mes amis. Toujours. On peut sortir. Allez. C'est coincé. Ok, nickel. Merde. Eh, ce truc est sur une sorte de rail. On pourrait peut-être s'en servir. Normalement, il y a moyen d'ouvrir un petit peu. Attendez là. Oh, oh. Allez, on le décoince. Allez, tire-le. Henri, essaie pour voir. Oh, bah, j'aurais su ça. Nickel. Ah bah attendez un petit peu. Ah oui, c'est vrai. Oh merde. Intéressant. Je vais pas essayer de faire trop de bruit. Mon but est de récupérer les trucs et c'est tout. Parce que
Ça sert à rien, ni qu'un sur un pour rien du tout. Voilà. C'est abusé, il m'entend même pas. Il entend rien. Tu parles d'un claqueur. Le mec il t'entend même pas quand tu bouges le truc alors qu'il est. Alors que ça fait putain de bruit. Alors le but va être en réalité de se servir comme la dernière fois de cette palette pour prendre Ellie, la mettre dessus et qu'elle active le sort de générateur qui est là-bas au fond. Parce que nous on peut pas, c'est un seul glissant et trop haut. Alors Ellie va le faire pour nous. Ellie, c'était ta mission. Vas-y Ellie. Ah je vois, pas belle. Regarde si ce générateur marche encore. Je le sens pas. Bande d'enculé. Faites-moi la courte échelle, aidez-moi. Ne me laissez pas ici. Allez. Merci mon pote. J'avoue, vous m'impressionnez tous les deux. Allez, on fonce. Magnifique, il y a plein de trucs là. Niveau 3 obtenu. Alors. Voilà. Allez, on entre! Sorte d'alarme. Ouais, quelqu'un vivait ici. Mais on dirait que c'est plus le cas aujourd'hui. Oh oh, une nouvelle arme, mes amis. C'est un sort en réalité de pompe, mais en flingue. Alors c'est un pistolet pompe, si vous préférez. Mais qui est pas très très puissant à longue portée. C'est plus une arme à courte portée, mais qui fait des lourds dégâts à courte portée. À longue portée, c'est un peu une arme merdique. Quoi. Relax. Hey Sam, ouais. Mets-toi entre ces poteaux. D'accord. Prêt? Ok, vas-y. Ouais. Oh, Henri, t'as vu ça? On évite de faire du bruit, ok? Ouais. Désolé. Ah, y a vraiment moyen de... Que dalle. Voilà. L'autre elle chante, là elle chante toujours elle. La 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 la. Plus c'est même pas une chanson qu'elle fait. Ah les jolis cafards. Il y a des amis. Ok, moi j'essaie d'être discret ou il court. Merde, 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 merde. Faut se replier, faut se replier. Arrête d'éviter mes coups, toi.
Tiens, enfoiré. Bon, je crois qu'on sait ce qui est arrivé à ces gens. Vu qu'on est tombé sur un claqueur, ils sont partis depuis longtemps. On continue à avancer. On n'a plus qu'à espérer qu'il n'y en ait pas d'autres. Oh bah. Je pense pas, hein. Merde. On va peut-être aller par là avant. Voilà. Que dalle. Ouhou, il y a des trucs là. Cool. Encore de l'eau. De l'eau et du papier. Il n'y a pas de papier, c'est ça? Ah, c'est toujours la même histoire. Encore, il y aurait eu de l'eau, du papier. Je m'aurais mis le reste de ma vie qui me manquait, mais... Il n'y a pas d'eau et de papier. Il n'y a que de l'eau. Et sans papier, ça sert à rien. Ah bah ça va, j'ai récupéré un peu de vie qu'il y avait là. Ça. Ouh, bonjour monsieur. Je vous récupère tout ça, si ça ne vous gêne pas trop. Bon, il y avait bien des gens qui vivaient ici, mais c'était avant. Oh, oh, oh. Oh, une machette, mes amis. Une machette. Ça va être du lourd, là, au corps à corps. Là, on n'est plus avec des bâtons. Là, on est carrément avec des machettes. Ça va. C'est moi, j'ai dû déclencher une sorte de porte de sécurité. Henri, essayons de la soulever. Bon, c'est plutôt gênant. Ouais, je sais, toujours la des même... Des claqueurs. Quoi? Et ce sale truc bougera pas. Courez, allez-vous-en. Sam, reste à côté de lui. Henri, faut qu'on bouge de là. Fais bien gaffe à lui. Allez. Oh, 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 oh là là. Oh, tous les claqueurs qui les suivent. Oh, les pauvres. Tout va bien se passer. Ouais, je sais. Prépare-toi, ça va pas être facile, mon pote. Allez, moi je peux faire ça toute ma journée. Y'a pas de souci, mon pote, hein, y'a pas de souci. Oh mon dieu, il y en a partout. Ça va être la merde. Non. Ça. Merde, je recharge, Tiens! Dégage! Tiens! Ouf. Oh, c'est pas vrai! Elle arrête pas de courir! Je peux pas la viser! Non! Sam, cours! Oh,
C'est chaud. Putain, mais je t'ai tiré dessus, bordel. Pourquoi tu meurs pas? Tiens. Wouah. T'as réussi. Bon, on va repartir. Peut-être que j'ai réussi, mais c'est pas facile ton truc. D'accord. Fouillons. Je sens que c'est un bon endroit pour avoir 40 trucs à prendre. En même temps, encore heureux qu'il y a des trucs à prendre, parce qu'avec tout ce que j'ai gaspillé en balles, j'espère qu'ils vont me dédommager. Alors là, c'est pas possible. Ah. Batte de baseball, c'est cool ça. Surtout qu'en plus ma machette je l'ai perdue en route à cause que je l'ai trop utilisée. Malheureusement les machettes, ce qui est bien c'est qu'elles sont cool mais pas assez puissantes. Enfin pas assez elles durent pas assez longtemps en fait, elles se cassent vite. Mais sinon elles sont magnifiques hein. Regardez, ça les tranche et tout, ça coupe même les gorges des gens. Pas mal, j'aime bien. Pas pu se défendre. Ça, j'aimerais bien le savoir. Ils n'ont pas mérité ça. Alors là, il y a Cutal. Dans les chiottes. On sait jamais. Cool, des balles. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait un paquet de gens qui vivaient ici. Ouais, on dirait. Oh. Ah ouais, mais c'est un bout de bois, non. C'est plus résistant une batte de baseball qu'un morceau de bois. Même si le morceau de bois est amélioré, la batte de baseball reste quand même la plus puissante. J'ai pas envie non plus de me taper un vieux truc. Ok, c'est parti mon pote. Allez viens, je vais te faire la courte échelle. Allez, ramène-toi. Vas-y. Et attention, j'étais en dessous. Et voilà. Bien joué, petit. On y va. Joël, c'est eux. Sam! Oh, bon sang. On doit pas rester là. Oh putain, vite! Ah, ils sont derrière moi! Ellie, éloigne-toi de la porte! Faut qu'on trouve un moyen de sortir. Faut qu'on trouve un moyen de sortir. Par là, le conduit! Oh putain! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah merde, j'ai pas poussé. Sam, comment elle s'est fait bouffer, n'empêche. Il a quoi? Sam, mais qu'est-ce que tu fous? Je nous sors de là. Bon bah dépêche-toi. Ok, allez. Allez, 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 allez. Qu'on y va, la porte va pas leur faire tenir très longtemps. Oh merde. Attention, il y a une armada qui va venir. Faut se préparer, je recharge mes armes. Elle est bloquée. Soulève-moi, je peux passer par cette fenêtre. Putain. Ouvre-la de l'extérieur. Deux battes, ok, c'est laquelle prendre à la fin. Tu vas sortir aussi. Et toi alors? T'inquiète pas. Allez, vas-y. Allez, c'est parti, c'est comme ça que ça se termine. Notre fin est inévitable! Tiens!
Oh! C'est pas vrai, j'ai plus de sueur. La porte est ouverte, allez! Et attends, hein, y a des trucs à récupérer, petit enfoiré. Hein. Faut pas que je laisse les trucs comme ça partir. La porte est ouverte, allez! Allez, go! Ouh! Regardez! Oh, vous rigolez ou quoi? Merci de m'avoir prévenu, les gars. Elle est où, cette tour? Ah, on s'en est sorti. Hey, ça va, petit frère? C'était chaud, hein? Ouais. On a connu mieux comme situation. Mais on s'en est sorti. Ouais. Hé, hey, regarde ça! Ouais, qu'est-ce que j'avais dit? Trouvons un moyen de l'atteindre. Voilà, trouvons un moyen. Et toi, comment ça va? Avec Henri, je vous inviter toute seule. T'aurais été fière. Ouais. Merci. Tout est récupérable. Faut tout prendre. Voilà. Comment vous vous êtes rencontrés? Oh, c'est une amie. Merci. Oh l'enfoiré. Elle dit que c'est elle qui commande. Non mais ça va pas. Tu vas être puni. Bientôt tu vas me dire qu'est-ce que tu me dis à quelle heure je dois me coucher. Alors. Pourquoi je peux plus rien créer? Ah. Ouais, vaut mieux créer des surins, c'est clair. Putain. Du papier. Ok. Non, ça sert à rien. Ça, c'est cool. Il faut que j'essaie de faire tout mon possible pour essayer de recréer des surins. Parce que là, je suis un peu dans la merde, j'en ai qu'un. Et j'aime pas être à court comme ça. C'est-à-dire j'ai tout gaspillé parce qu'il y avait que des claqueurs qui arrêtaient pas de me frapper tout à l'heure. Si je les utilisais pas, je mourrais, alors vaut mieux les utiliser que mourir. Mais bon, quand même, j'en ai quand même plus, alors il faut que j'en recrée. Je te conseille de pas les approcher de trop près. Ils sont pas comme ceux de la zone. Ils sont sauvages. Ok, bah... On s'en tape. Moi, je dois construire. Alors, 221 points, ça c'est bon, ça. Alors, cadence de tir, on améliore. Ça aussi. Non, je l'ai pas amélioré, merde. Ok. Voilà. Le pompe, ça aussi vaut mieux. Portée. Non. Ça, ouais. Ok. Cadence de tir, vitesse. Non, dégainer ça sert à rien. Sa capacité du chargeur. Ça c'est cool. Cadence. Non, vitesse de recharge. Bien mieux utiliser votre arme plus vite.
les vitesses de rechargement. Ah là, j'avais la dose là au niveau du point. Ouais, là, j'ai bien custom. Mal. Voilà, grâce à ça, j'ai un chargeur plus gros. Alors. Encore de l'eau. Il y a peut-être moyen de me créer un surin. Putain. J'ai des ciseaux, mais j'ai pas l'autre élément. Ça m'énerve. J'aimerais bien au moins avoir un deuxième surin. Au moins, je me sentirais un peu mieux de savoir que j'en ai deux. Mais là, un seul. Intéressant. Est-ce que ça va? Ouais. Ce plafond est un vrai gruyère. Attention. Bon, j'ai voulu monter, mais on sait jamais ce qu'il y avait en haut. Mais c'est pas une très bonne idée. Un vieux papy qui sert à rien. Bah, au moins il y a ça. Bah ça c'est cool. Je peux créer mon surin. Voilà, maintenant je suis mieux. J'en ai deux. Y a pas moyen d'ouvrir un meuble, non. Pas grave. Ah, j'ai pas fouillé ici. C'est con, mais il faut aussi fouiller les chiottes de temps en temps. Il y a des trucs dans les toilettes. Ça va, là, j'ai beaucoup de balles. Je suis content. Non. Ok. Ellie, j'ai encore trouvé une de ces BD. Encore un coffre. Ça, c'est chiant, ça. Il y a des coffres. Je me demande bien ce qu'il doit avoir dedans. Mais à chaque fois, ils me disent combinaison nécessaire, en sachant que j'ai jamais trouvé une seule fois une combinaison d'un truc. Regardez, les seuls trucs que j'ai, moi, c'est ça. Regardez, notes. En plus, comment ils peuvent savoir comment... Enfin, c'est vrai, même si, exemple, j'ai la combinaison, comment est-ce qu'ils sont censés savoir si j'y l'ai ou pas? C'est que réellement, je l'ai pas débloqué. Il y a des rumeurs disant que si on termine le jeu, on a le droit d'acheter des costumes, enfin des tenues, pour Joël et Ellie. Joël, je sais pas, mais... Ellie, je sais pas, mais Joël, je sais que quand je terminerai le jeu, que ce soit dans mon histoire ou dans cette histoire, j'aurai le droit d'acheter des tenues pour l'histoire, qui est dans le menu principal. Mais je sais encore rien pour l'instant avec les coffres. Peut-être qu'il faut terminer une fois le jeu et qu'il nous donne des codes pour le coffre. Je sais pas. Non, c'est rien. C'est rien du tout. Ouais, d'accord. Bon, je commence. Oh. Mince. À toi. Ok. Je lance. Ouais. Et bim. Je suis trop forte. La chance. Non, c'est pas vrai. C'est que de la chance. Ok, boucle là, tu t'emballes là. C'est parti. Merde. Nul. Bon. Match nul. Non. Tu t'es carrément fait laminer. En quoi je me suis fait laminer? On est presque à égalité. Ouais, d'accord. Pas mal le petit jeu de fléchette. Moi aussi je veux jouer. Ah ouais. Ok, je suis un super joueur. Les gamins redeviendront des gamins. En route. Comment ça, un jour les gamins? Tu parles de moi là? Tu dis que les gamins redeviendront les gamins? Ça veut dire que tu insinues que je redeviens gamin parce que je joue? Connard, va. Fais attention à ce que tu parles aux grandes personnes, moi. Moi j'ai pas 20 ans, mon petit gars, hein. Moi je connais mieux la vie que toi, hein. Allez, en route.
petit gars, va. Il croit tout connaître, là. Il connaît rien du tout. Bon, on va se quitter sur cette... Sur ce beau jardin et cette petite tondeuse. J'espère en tout cas que l'épisode 6 vous aura plu. On se retrouvera pour l'épisode 7 du Let's Play The Last of Us. Ou une prochaine vidéo d'un autre jeu qui sait aussi. On sait jamais s'il y a des jeux, des packs qui n'auraient pas été prévus. Qu'au final, je vais faire une vidéo sans même en rendre compte. On sait jamais. J'ai pas tendance non plus à dire tout le temps ce qui va arriver. Alors, qui sait qu'il y aura des vidéos sur un autre jeu que j'aurais pas du tout prévu dans une autre vidéo. On ne sait jamais. Je vous invite à visiter ma chaîne récemment pour tout savoir ce qui va arriver. Et bien sûr, pour ceux qui sont intéressés au Let's Play de The Last of Us, n'hésitez pas à visiter ma chaîne récemment pour les prochains épisodes qui vont arriver. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures. Mes amis, prenez bien soin de vous et salut tout le monde. I guess I'll find out.